un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte le flot et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui... Tu as intérêt à m'obéir. Le pouvoir monte à la tête de Basile. Non, 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 Rosa. Comme ça. Rosa en subira les conséquences sur le dos d'un cheval terrorisé par une tempête. J'ai peur. Rosa. Attention. Pousse-toi. Doucement. Arrête. Mais c'est toi. Tu peux m'expliquer pourquoi ils s'amusent à se rentrer dedans depuis le début de la matinée? Lily, toi et tes amis mouches, allez vous asseoir ailleurs. Hein? Oh pardon, avec plaisir, je m'en vais. Attention! Apparemment, ils ont encore besoin de répéter. Oh, stupide mouche! Lily, ça t'ennuierait d'aller t'asseoir à l'autre bout de Horseland. Allons, Carlotta, elle est très bien là où elle est. Tu donnes encore plus d'ordre que d'habitude aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je sais comment régler un petit problème de mouche que tu dois me traiter de tyran. Je suis maligne, tout simplement. Attention, où tu vas? C'est affreux, Scoop. Ils ont beau répéter depuis des heures, ils font toujours des erreurs. Oh, les humains ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Et parfois, on ne peut pas s'empêcher de faire n'importe quoi jusqu'à ce qu'on comprenne comment faire les choses. Oh là là, mais fais attention! Quelque chose me dit qu'aujourd'hui, ils vont mettre du temps à comprendre. Et ce matin, le comité des fêtes s'est mis d'accord sur le nom des cavaliers qui prendront la tête du défilé lors de la fête du comté. C'est le ranch Horseland qui a été choisi. Une grande première pour ce haras. Mais deux jeunes champions s'entraînent là-bas et leurs chevaux ont tous déjà reçu plusieurs prix. Cela nous promet un beau spectacle. Ah ! Non, attention ! Regardez où vous allez ! La répétition ne se passe pas très bien, à ce que je vois. Qui est allé à gauche alors que c'était à droite ? Hé ! Pourquoi suis-je à l'envers ? Tiens-le plus droit, plus droit! Waouh! Cet enchaînement est vraiment totalement, complètement absurde! Tu m'as ôté les mots de la bouche, merci! Pardon, c'est ma faute! On a intérêt à être au point avant la parade! Oh, éteins la musique! On baisse le son! Sans espoir. Et si on faisait une pause? Bonne idée. Ce n'est pas très grave. On a encore beaucoup de temps avant le défilé de demain. Oui, on va réussir. Bah, si c'est Basile qui mène, on n'a aucune chance. Ce n'est pas juste. Vous avez intérêt à m'obéir. Qui tombe souvent de cheval, mais est toujours choisi pour jouer les chefs de troupe? Chloé, tu connais la règle. Quand nous défilons, nous menons chacun notre tour. C'est au tour de Basile, alors laisse-le commander, d'accord? Merci, Sarah. Mais de rien, tu ne dois pas t'inquiéter pour nous. Fais ce qui te semble bien et nous, nous te suivrons. D'accord, tu as raison. Très bien, encore une fois. Oh, pince-moi si Basile ne se trompe pas, d'accord? Allez, Chloé, plus vite, Zoé. Tu vas? Moi? C'est toi? J'étais dans ma file, moi! C'est faux!
faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je n'arrive pas du tout à faire ce que Basile attend de moi. Si tu veux mon avis, ça n'a rien à voir avec toi, Rosa. Encore une fois, ça finit en catastrophe. Cette histoire me fatigue. Bon spectacle à tous les deux. Moi, je vais faire une sieste. Tu n'arrêtes pas de me rentrer dedans. Ne lui parle pas sur ce ton. Et toi, tu ne me donnes pas d'ordre. Tu n'es pas le chef ici. Aujourd'hui, je le suis. J'imagine que je ne tenais pas mon drapeau bien droit. Tu le tenais très bien, Rosa. C'est l'heure de faire une pause. Tous à table. Oh, youpi, youpi, tu as entendu? Ils vont manger, on va avoir les restes. Oh, pourvu que personne ne mange le maïs à la crème. J'ai faim, oh, j'ai trop faim. On l'a bien mérité, cette pause. Coucou, Marie, Sarah. Tout va bien, Rosa? Non, pas vraiment. Salut, Fred. Chloé, Zoé. Salut, Fred. Je peux te dire un mot? Quelqu'un va se faire tirer les oreilles. Écoute, Fred, je sais très bien ce que tu penses. Personne ne peut savoir ce que je pense tant que je n'ai rien dit. C'est ce que grand-père répétait toujours, tu t'en souviens? Fred, écoute, au sujet du défilé, j'essayais juste de... Les chevaux d'abord. Bien sûr, les chevaux d'abord. Qu'est-ce qu'elle attend pour lui faire la leçon? Tu connais Fred, les chevaux passent en premier, ensuite ils s'occupent du reste. Et je me rappelle autre chose que grand-père disait toujours. Quand tu es à la tête d'une équipe, écoute tes chevaux et tes cavaliers. Et eux, ils t'écouteront. Tu viens, Tango? On monte. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Jusqu'à ce soir, c'est toi qui veilles sur le groupe. Tu veux dire que c'est moi qui dirige la répétition, c'est ça? Non, tu t'occupes de tout le ranch. Tu es sûr? Tes parents ont dû partir pour organiser le défilé et ils veulent que je vienne les aider. Pendant notre absence, c'est toi qui t'occupes du ranch. Hourra! Rappelle-toi, tes cavaliers, tes chevaux. Écoute-les bien et eux t'écouteront. Oui, tu me connais, je n'oublierai pas. Fred part déjà? Je me demande bien où il va. Je ne sais pas. Salut, Sarah. Mais où vas-tu? C'est ce que je voulais te demander. Normalement, c'est toi qui dois t'occuper du ranch quand les parents de Basile sont absents. Je vais les aider à organiser le défilé. Basile me remplacera. Tu crois qu'il est prêt pour ça? Et toi? Je n'en sais rien. Moi non plus. Grand-père disait toujours, parfois le meilleur moyen pour apprendre à faire une chose, c'est d'abord de se tromper. Bon, si tu le dis, c'est toi le chef. Si tu trouves qu'il se débrouille mal, prends-le à part et parle-lui. Il continue à faire des erreurs. Appelle-moi, mes numéros sont à côté du téléphone. Quoi déjà? Qu'est-ce qu'il fabrique dehors? C'est l'heure, dépêchez-vous, on s'y remet, on doit encore répéter. Oh, oh, quel enfer! Ah, non, 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 où tu vas comme ça? Tu n'es pas forcé d'obéir à Basile, mais pour qui il se prend? Pour le reste de la journée, c'est lui le chef. Fred est parti et il a confié le ranch à Basile. Quoi? Vous venez? Oh, c'est Basile le chef. Rosa, à gauche! Attention! Pardon, à droite! Non, ta droite à toi! Doucement! Attention! Oh, ce n'est pas bon! Tout le monde s'arrête! J'ai dit stop! Faites ce qu'il dit, sinon monsieur va se fâcher! Quel clown! Vous savez quoi? C'est dans des moments pareils que les chats sont ravis de ne pas être des humains.
Rappelez-vous ce que j'ai dit. Parfois, les choses doivent légèrement empirer avant que l'on ne trouve une solution. Taisez-vous et écoutez-moi. Tu veux bien arrêter de nous donner des ordres? C'est moi le chef ici. J'aurais dû dire sérieusement empirer. Arrêtons de nous disputer. Mais moi, je n'ai rien dit. Moi non plus. Donne-moi mon drapeau. Je sais, on va sûrement gagner le prix du groupe le plus emmêlé. Pas vrai, Basile? Donne-moi ça. Tu insinues que tout est de ma faute, c'est ça? Basile, elle voulait juste plaisanter. Oui, à mes dépens. Quel genre de chef es-tu? Tu vas par là? Non, pas par là. Ça suffit, Chloé, donne-lui une chance. Mais les ordres qu'il donne n'ont aucun sens. Ils en auraient si vous m'écoutiez. Tes ordres sont un peu bêtes. Et je fais du mieux que je peux. Basile, essaie d'écouter ce que l'on veut te dire. Souvent, ce que tu nous demandes est loin d'être clair. D'accord. Dans ce cas, je vais être vraiment, vraiment très clair. Chaque cavalier doit suivre sa ficelle. Est-ce assez clair, les filles? Il ne parle pas sérieusement. Nos chevaux vont devoir marcher au-dessus de ces ficelles. Basile, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon. On y va! J'ai une idée. Avant d'aller au défilé demain, on se peint sur le corps des rayures de zèbre. Pourquoi ferait-on cela? Tu tiens vraiment à ce que 10 000 personnes te reconnaissent à la fête? Oui, elle a raison. Très bien. Voici les nouveaux schémas. Alors, c'est assez facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre mon dessin et tout se passera bien. Des questions? Basile, je peux te parler une minute? Non. Oh non! Rattrape-le, panache! Rosa, reviens ici, sinon on va devoir tout recommencer! Contre moi. Tu n'as rien fait de mal, je t'assure. À ta place, moi je ramènerai Panache dans son box. Ça va bientôt être l'heure d'aller dîner. Et je fais quoi pour Basile? Je vais avoir une sérieuse discussion avec lui. D'accord, Sarah a retrouvé Rosa. On va pouvoir s'y remettre. Oh, formidable. Mais où va Rosa? Je lui ai dit de se reposer un peu. Tu lui as dit quoi? Mais on va dîner. Ah non, on travaille! La journée est terminée! J'aimerais savoir où vous allez! C'est moi qui commande, pas elle! On doit répéter, les filles! On doit discuter! Nous devrions faire la grève. C'est la seule façon de lui montrer qui est le chef. C'est qui le chef? C'est nous! On va voter que toutes celles qui sont d'accord pour faire la grève jusqu'à ce que Basile se calme disent oui. 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 Rosa, tu es avec nous? Aucune importance. 3 contre 1, on gagne. Alors, qui veut aller dire à Basile que ce n'est plus lui, le chef? Ne me regarde pas. C'est toi, l'aîné. Quoi? Non, c'est faux. Oh, j'ai l'impression que quelqu'un a remis Basile à sa place. Écoutez. Comment ça? Je ne vous écoute pas. Je n'arrête pas, au contraire. Bien sûr que non. Tu ne nous donnes pas d'explication claire et tu as tellement crié sur Rosa qu'elle a failli pleurer.
Ce n'est pas moi qui pose un problème ici. Écoute, tu vas devoir te calmer, sinon 10 000 personnes vont se moquer de nous en plein défilé demain. Si on se moque de nous, ce sera parce que vous ne m'avez pas pris au sérieux. Ça suffit! Soit tu arrêtes de te conduire comme un tyran, soit on m'abandonne. Merci bien. Pardon de te déranger, Fred, mais j'ai besoin d'aide. Sarah! Rosa est partie! Mais enfin, il pleut à grosses gouttes! Où peut-elle être allée? Rosa? Rosa! Oh, Basil! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'en sais rien. J'essayais de réfléchir à tout ça. J'ai voulu bien faire et j'ai tout gâché. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Écoute, Rosa n'a pas supporté que tu la traites aussi mal. Alors voilà ce que tu vas faire. Aide-moi à la retrouver. Ah ! Tu as entendu ? On aurait dit panache ! Rosa ? Mais qu'est-ce qu'elle fait dehors? Eh bien, ce que tu lui as demandé. Elle répète les pas. Sous la pluie? Elle veut te faire plaisir, c'est évident. Rosa! Ah 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 Rosa! Basil, fais quelque chose! Malheureusement, Fred et mes parents ne sont pas rentrés. L'orage a dû les retarder. Suis-moi! C'est à nous de jouer! Calme-toi, nous sommes là. Je suis peur. C'est juste un orage. On va te ramener avec nous. Apparemment, ils sont contents. Ils sont ensemble. Oui, et moi je suis contente de vous voir. Ça va aller. Tout va bien. Merci, Scarlett. Merci, Apache. Tu vas bien, Rosa? Regarde-toi, tu parles d'un chef assis dans la boue. Très drôle. Oui, quel genre de chef es-tu exactement? Quel genre? Ça, je n'en sais rien. D'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi toute la journée. Je m'excuse de vous avoir fait subir tout ça. Et surtout toi, Rosa. Je te pardonne, Basil. Alors, l'une de vous sait ce que l'on doit faire maintenant? Moi, deux choses. D'abord, on mange. Moi, je meurs de faim. Et ensuite? Ensuite, nous réparerons les projecteurs. Et toi, tu nous montreras ce que tu attends de nous pour le défilé. D'accord. Et les voilà, mesdames et messieurs, l'équipe du ranch Horseland. Regardez comme ces filles ont fière allure derrière le meneur. Cet enchaînement est très bien exécuté. Ça me rappelle ce que me disait ma grand-mère.
Quand on est responsable d'une équipe, écoute tes cavaliers et tes chevaux, et eux t'écouteront en retour. La preuve en image, ces cavaliers obéissent à leur meneur. Ils ont plutôt fière allure, n'est-ce pas? On voit bien qu'ils ont enfin réglé leurs problèmes. Oui, ils sont tous merveilleux. Lily, pousse-toi que je puisse enfin... Je ne veux pas te donner des ordres, tu le sais bien, mais pourrais-tu, s'il te plaît, te pousser juste un peu pour que je puisse voir? Oh, bien sûr, voyons, avec grand plaisir. Merci, Lily. Merci à toi, Carlotta.